tuyau de Gus était vrai. Je dois t'avouer que j'avais des doutes. Ouais. Mais quand même, t'es sûr qu'on peut laisser le directeur s'occuper de ça? C'est lui qui l'a demandé. Déploiement du pacificateur. Attention, ordre d'évacuer. Bon ben, ils sont tous à vous. Allez.
sang-froid. Okay, c'est fini pour toi. Le temps presse. Il faut qu'on file d'ici. Mais comment on va faire ? Mes jeunes amis, prenez ceci pour vous enfuir. Dio ? Ce bracelet sert aussi de mouchard. Je l'ai utilisé pour vous écouter. Tu es innocent, Barrett. Désolé d'en avoir douté. Je vous offre ce buggy pour me faire pardonner. Veuillez l'accepter. Je vais m'assurer personnellement qu'il soit enterré comme il se doit. Merci. Maintenant que tout est réglé, on s'en va. Dio, est-ce que tu ne risques pas de t'attirer des ennuis ? Assurer la sécurité de mes clients est mon devoir de directeur. Quoi que vous ayez pu faire à Midgar, ça ne regarde pas le Gold Saucer. Revenez vous y amuser quand vous le voudrez.
mes jeunes amis, vous allez voir ce que vaut le grand Dio. La vie est comme un long combat. Thank you.
Voilà, c'est parfait. Eh bien, monsieur, vous avez l'air d'excellente humeur. Oui, mon travail a bien avancé. Essayez de ne pas trop vous amuser. Sommes-nous avec la Cetra? Nous continuons à la surveiller. Est-ce qu'elle semble se diriger vers la Terre promise? Pas pour le moment, apparemment. Dommage. Cela vous intéresse plus que les méga materia? C'est un rêve que je chéris depuis mon enfance. Je veux la voir. De mes propres yeux. Très bien. Je vais renforcer la surveillance. Qui je suis. Je vois clair à travers ton masque, Rufus. Tu as peur de moi. Et je vois encore autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ta haine envers ton père. Tes craintes. Tes complexes. Et enfouis au plus profond de ton âme la solitude. Je ne le nierai pas. Car tout ça, c'est ce qui a fait ma force. Ah, alors ça tombe bien. Notre planète a besoin d'un petit stimulant. Utilise cette force pour faire bouger les choses. Est-ce que tu t'intéresses autant à moi? Le visage de cet homme te dit quelque chose? Je suis navrée, mais non, pas du tout. Liquidons nos stocks pour la fermeture définitive du magasin. Il paraît que quelqu'un a vu.
T'aurais pas vu cet homme dans le coin ? C'est qui ? Moi aussi. Quand elle est là, l'ambiance dans le restaurant. Voici les dernières informations concernant l'étrange faille apparue soudainement dans le ciel de Midgard. Dis, tu connaîtrais pas cet homme ? Non, je le connais pas. Que les ondes singulières émises par la brèche... Non. Encore avalanche ? C'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les petits problèmes. Quoi ? C'est sûr. L'explosion venait du côté de l'église. Encore. Oh, c'est pas possible. Tout ce que je demande, c'est de... Enfin trouvé. Attends, excuse-moi. Messieurs, dames, où est-ce qu'on peut vous emmener ? Vers le sud, tout droit devant. Pourquoi ? Y a quoi là-bas ? Il n'y a pas quand même, en tout cas. Je veux pas y retourner. D'accord. Direction le sud, alors. Accrochez-vous bien.